Yo les bellos, les gars, c'est Grisifut. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième les gars, à la passe-partout, le troisième épisode de Road to Base Griezmann, de Road to Base Grizzy. On a fait des nouveaux achats, c'est bientôt Noël, donc du coup on a préparé ça les gars. Donc ça fait plaisir, j'ai acheté Angel Di Maria du PSG, voilà. Vous m'avez conseillé aussi Lacazette et Mangala. Donc j'ai testé que Mangala, là je viens juste d'acheter à l'instant Di Maria pour 30 000 crédits sur PC, on est sur PC, s'il a baissé. Et Lacazette pour 18 000 crédits, je pensais qu'il valait beaucoup plus cher que ça, mais il a baissé apparemment. Continuez à me conseiller les gars, continuez à me conseiller plein de joueurs dans les commentaires. Je les prends ou je les prends pas, mais la plupart du temps je les prends. Donc on va se retrouver pour le match, j'ai pas d'autre chose à dire, conseillez-moi d'autres joueurs. S'il y a d'autres joueurs qui vous trouvent, j'ai 20 000 crédits, donc j'ai économisé un peu, j'ai fait quelques matchs, je suis en Div 2, donc j'ai beaucoup monté. Donc voilà les gars, j'ai pu acheter Matuidi entre temps, il vaut que 2 900 crédits sur PC, c'est beaucoup. C'est peu, je veux dire. C'est vraiment peu parce que je l'avais acheté, j'avais regardé il y a, je sais pas, il y a quoi, il y a un mois. Il valait dans les 30-40 000 crédits, je me disais, c'est hyper cher. Mais voilà, ça fait super plaisir. Conseillez-moi, je vais peut-être acheter Lucas sur l'aile droite. Donc conseillez-moi, peut-être que je l'achète, peut-être que je l'achète pas. Après Pogba, ça sera le prochain achat, mais il coûte vraiment très cher encore. Ce sera le meilleur joueur de mon équipe, je pense, après. Mais voilà, conseillez-moi des joueurs, continuez à me conseiller des joueurs et n'hésitez pas à mettre un like si cette série vous plaît les gars, moi ça me fait super plaisir. Je sais qu'il y a des avis positifs, il y a des gens qui ont envie de voir cette série avec la carrière de Lyon, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et voilà, et à mettre un commentaire pour favoriser cette série et pour m'aider, voilà, pour m'encourager pour continuer cette série. On tombe contre un mec qui a une BPL, une Bundesliga, j'en perds mes mots. Voilà. En tout cas, j'ai une équipe assez bonne, j'ai des 4 nouveaux joueurs comparés au dernier épisode, on espère que Matuidi va faire du lourd, que Lacazette aussi, que Di Maria aussi, et on se retrouve pour les meilleures actions, on change pas une équipe qui gagne les gars, c'est parti. Oh, Ben Arfa qui régale, centre, dommage. Matuidi, pour son premier tir dans ce match, bien joué ça. Allez, boum, oui Grizzy, oui c'est ça. Grizzy qui marque, ça c'est emblématique ça. Bien joué Grizzy, 1-0, une relance dégueulasse du gardien adverse. Oula, par contre fais gaffe, ne pas passer ta main à l'intérieur de la tête de Grizzy. Oh non. Pas Lewandowski. Allez Mangala. Ah ouais, Lewandowski ça trompe pas. Hein. Ah Lewandowski. Je pensais pas qu'il allait être aussi rapide que ça, mais Mangala voilà, c'est pas une perle non plus, il est pas. Ça joue bien là, ça combine bien, c'est bien ça. Allez. Allez Grizzy. Oh Grizzy! Oh non! Oh le tir! Bon, tu le mets, mais bon. Tu m'as déçu un peu sur le tir là. Mais quelle action! Quelle action de Grizzy! Quelle action! Regardez-moi ce qu'il a fait! J'ai un peu tryhard la manette, mais regardez-moi comment. Oh là là, c'est beau! Bien joué Grizzy, c'est ça. Doublé de Grizzy, ça fait plaisir. Je dis un peu trop Grizzy dans la même phrase, ça fait un peu kikou. On va stopper un peu ça. Oh! Oh non! Mais ça part un peu trop facilement là en défense. Ah, 45 minutes, ça fait chier. Hein. Et on va essayer de l'arrêter. Ah, il tire bien. Il tire bien, même en sautant où il a tiré, j'aurais pas pu le rattraper. Bien joué à lui. Ça rend des petits arcs-en-ciel comme ça. Aïe. Oh, la casette. Quelle action. La casette, il avait les crocs, là, il avait faim. Allez, mi-temps 2-2. Bon, je domine... Quoi? Ah, j'ai quand même 13 tirs. Je me disais 13... Attends, mais j'ai vraiment 13 tirs? Putain, 13 tirs, 12 cadrés. Ah ouais, je domine largement, quoi. Je domine vraiment le match. Je surdomine le match. Je pensais pas autant que ça. Bon, on va pas faire de changement parce que l'équipe a pète, mais... Prenez pas ça comme des gamins. C'était juste un truc, c'était juste une expression. Bref, on se retrouve pour les meilleures actions de la deuxième période, les gars. Ah merde, la tête croisée. Merde, c'est qui a marqué ça? C'est Lewandowski. Oh oui. Oh là 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 là. Oh, j'ai eu de la chance. C'est revenu dans les pieds de Grizzy. Et Grizzy, voilà, il trompe. Voilà, il est comme ça, Griezmann. Il passe pas par 10 000 détours. Je sais pas si ça se dit, mais oh, c'est magnifique. La lucarne croisée, c'est ce que je voulais qu'il fasse. Un triplé de Griezmann, tout simplement, les gars. Un triplé de Griezmann. Ah, ça fait longtemps qu'on l'attendait, celui-là, et il arrive. Et je viens de m'en rappeler.
c'est bien le duo Griezmann-Lacazette qu'on avait l'année dernière. Bon, je les avais en boost, en IF, mais ça, c'était le duo l'année dernière que j'avais sur le Road to Best, Road to Best Ligue 1, je crois, ouais, c'est ça. Et bah voilà, ça, c'est Grizzly qui marque un triplé dans ce match, ça fait grave plaisir. Wow, le coup franc. Putain, j'avais mis un mec dans le mur, mais oh là là, il a tiré un coup franc. Ah, il fait mal, Robin, hein. Ah, il fait très très mal. Il y a que des gros scores sur FIFA, là, par contre. Oh là 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 là. Oh, je prends du sale. Ah, je prends du sale, là. Vidal, il fait mal. Vidal, il fait très mal. Mais ouais, c'est vrai que là, il me domine largement dans cette deuxième période. Je leur donne que des balles en fait, je fais que lui redonner des balles, donc bien sûr qu'il en profite, c'est normal, on est en div 2, on joue pas en amateur là, donc enfin si on est en amateur, mais voilà, on joue pas, on n'est pas dans la div 10. Bref, on va essayer de quand même de réduire le score. Oh là là, ah je prends cher, je prends tarif là, à la fin du match, je prends vraiment ça. J'ai se permet de faire des célébrations ratées. 6-3, c'est un gros score. Hein. Pourtant, avec l'équipe que j'ai, je ne mériterai pas ce score, mais surtout avec les stats que je fais. Non. Non, 7-3, non. Ah non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me manger un 7-3. On bat les couilles. Allez, c'était pas l'épisode le plus génial de ce Road to Best Grizzly, mais bon, voilà, on a mis quand même un triplé avec Griezmann, c'était ce qu'il fallait retenir de notre côté. Après, c'est fut, hein. Griezmann homme du match, ça fait plaisir. 7-3, ça fait mal aux fesses. J'espère que vous le retiendrez pas. Bref, voilà les gars, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié quand même cet épisode. N'hésitez vraiment pas à mettre un like pour d'autres épisodes et me conseiller d'autres joueurs, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, on pourrait progresser avec dans cette team. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. On se retrouve pour d'autres aventures, d'autres vidéos, il y a plein de projets qui arrivent, je vous fais de gros bisous. Et salut tout le monde les pédos.